Une autre question, c'est quoi changer? Changer s'entend ici dans le sens de réaliser une évolution progressive vers un fonctionnement meilleur. Comme ici, rien n'est imposé. Il y a un respect total du libre arbitre de chacun. Alors il est certain que si les choses changent, ça ne pourra être que peu à peu, pas à pas, de proche en proche. Comme d'un autre côté, le fait de vouloir faire bouger l'humanité est évidemment une ambition surhumaine, surhumaine dans le sens où ça dépasse largement le cadre de l'existence d'un seul individu. Il est certain que si nous attendions des résultats à court terme, nous serions obligatoirement déçus. Il faut donc prendre en compte cette dimension du temps, c'est très important, cette dimension du temps, le temps qui dépasse largement le cadre de la durée d'une vie humaine. De cette façon, vous avez un objectif, vous savez vers quoi vous cheminez et votre vie y trouve un sens profond. Vous participez au changement que vous souhaitez. Vous assumez pleinement votre responsabilité d'être humain et vous en êtes heureux. Et en même temps, comme vous savez que votre souhait dépasse largement le cadre de votre vie, vous ne vous attendez pas à ce que tout soit facile et rapide. Vous ne vous attendez pas à vivre, vous, dans un monde idéal.